Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour ce quatrième épisode de notre série Palpatina, dans laquelle on essaye de devenir l'empereur avec le Palatinat. Et ce qu'on fait actuellement, c'est attaquer Ravensburg, qui a grandi de manière un peu exagérée par rapport à sa province de base. Hein. À la base, je vous rappelle que Ravensburg, c'est une ville libre, donc c'est juste une province mineure, une OPM. Ils ont attaqué Baden, ils ont pris Baden et Breisgau, ont accepté de restituer Baden à Baden. Donc nous, on a sauté sur l'occasion et mangé Baden directement. Et puis, ensuite, ils ont encore pris Württemberg. Et donc nous, on les a attaqués pour prendre à la base Breisgau. On va essayer de leur prendre aussi Württemberg par la même occasion. Il n'y a plus personne qui vote pour l'Autriche dans cette histoire, certainement. Ils ont perdu la réalité ? Non. On va prendre le détail. Pour le moment, donc, on voit que notre élection est plus si évidente qu'avant. Mayence est très limite. Donc, une noble perd 19 points, c'est un peu embêtant, mais c'est pas dramatique. Mayence est très limite. Et Brandebourg vote toujours pour. C'est quoi ? Saxe-Lauenburg, c'est ça ? Qu'est-ce que tu votes pour Saxe-Lauenburg ? Ouais, je prends un très bon empereur, Saxe-Lauenburg, je pense. Donc Saxe-Lauenburg, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est une OPM de 5 avec 5 de développement. Bon, ils sont alliés avec le Brandebourg, mais voilà, mais c'est un choix étrange. Hein. Donc il faut imaginer, hein. Il faut imaginer Brandebourg qui est à côté de la Pologne décide la Pologne, donc allié avec la Lituanie, décide d'attaquer Brandebourg, mais non, c'est bon. L'empereur Saxe-Lauenburg va venir les aider. Ouais. C'est une bonne idée, mec. C'est une bonne idée. Donc, on va essayer de faire comprendre au Brandebourg son propre intérêt, c'est le cas, voilà, de voter pour nous. Hein, parce que bon, nous, on n'est pas non plus excessivement balèze actuellement, mais cela dit, nos relations, nos alliances sont quand même un peu plus intéressantes, hein, entre autres avec l'Autriche et la Bohème. Donc on a un bon set d'alliances quand même, donc honnêtement, je pense qu'on est un meilleur choix, Brandebourg. Je pense que tu fais le bon choix en décidant de voter pour nous. Ce qui, quand même, j'enregistre à part ça, hein, je tiens à dire que j'enregistre cette émission au moment où on a l'élection française en France. Hein. Donc, vous autres Français qui suivez peut-être cet épisode, devez aller voter aujourd'hui pour le premier tour. On verra. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Donc on voit que là, c'est la Bohème qui semble l'emporter sur pas mal d'autres. J'ai pas mal d'autres électeurs, hein, en Saxe notamment, passablement devant Lunebourg. Ouais, donc beaucoup d'avance pour la Bohème quand même là-dessus. Donc tant que les Bohémiens ont un vote, ils vont voter pour eux-mêmes. Et puis ici, Trèves vote toujours pour. La Bohème également. Pas de grand chose, mais je peux pas aider Brandebourg à améliorer leur relation avec eux. Je peux essayer peut-être moi d'augmenter mes relations avec Trèves pour espérer qu'ils votent pour moi. Mais bon, pour le moment, on est vraiment à un fil. Hein. On est vraiment à un fil. C'est-à-dire que si le Brandebourg ne vote pas pour nous, si Mayence ne vote pas pour nous, on est vraiment. Enfin, on a peu de chances de devenir empereur. Mais. Pour le moment, on y est, et voilà. Donc, on a. Alors là, maintenant, c'est aussi un peu le problème. C'est donc on va faire revenir nos gens de Mayence. On va regarder. Merci. Ce qu'on peut prendre à Ravensburg. Donc, ça, sur lequel on a une revendication, ça pose pas de problème. Ça pose un peu plus de problèmes. Donc, on va gagner de l'expansion agressive. Si on les mange entièrement, on pourrait, hein, mais ça paraît vraiment exagéré. On va faire beaucoup d'expansion agressive. Donc, ce qu'on va faire, c'est leur demander de l'argent, des réparations de guerre. Et là. Avec ça, malheureusement, on va perdre de l'opinion. Ou pas. Ok, je pensais qu'on perdrait suffisamment d'opinion pour repasser un peu derrière. Après, on est aussi devenu plus fort, hein, donc peut-être que ça joue dans leur choix de voter pour nous. Et on va continuer à améliorer les relations avec Mayence jusqu'à qu'on puisse plus le faire, purement et simplement. Et après, on ira s'occuper probablement de Cologne, peut-être, pour assurer hein, notre élection. Parce qu'actuellement, la Bohème, ça sert à rien. Vu que tant que quelqu'un vote pour eux, ils voteront pour eux. Et Trèves, éventuellement, après, ça pourra peut-être être utile. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on va légitimer nos deux provinces. Nous regrouper ici. Hein, on aura certainement affaire à des rebelles assez vite. On voit qu'on a pas mal d'argent. Où est-ce qu'on en est en termes de...
de frais. Donc on est toujours au-delà de notre force limite. Ouais. C'est pas mal au-delà de notre force limite. Quand on aura moins. Quand on aura pu peut-être créer. Et si on a 100% de. Sérieusement. 100% d'autonomie. Ok. 100% d'autonomie également. Bon, ok. Donc on va. Faudra faire baisser cette autonomie. Hein. Pour l'instant, je peux aussi donner ça au clair. Pour au moins gagner l'argent. On va faire ça. Bon, c'est vraiment pas grand chose, de toute façon. Mais c'est toujours ça de gagner. Donc, ouais, actuellement, on n'a pas pris des très bonnes provinces puis qui ont vu beaucoup de guerres, hein, malheureusement. Celle-là a été prise dernièrement par Ravensburg. Celle-là aussi. Donc, les trois ont été prises d'abord par Ravensburg, on les a prises après. Donc, elles ont vraiment beaucoup d'autonomie. Scandale à la cour. De temps à autre, peut survenir à la cour un scandale qui monopolise toute l'attention du prince électeur, au point de faire passer au second plan toute activité diplomatique jusqu'à ce que les choses se soient quelque peu apaisées. Donc, assume et on part à autre chose. On perd l'instabilité, on gagne la corruption, on perd de l'argent. On a gagné de la corruption, on perd de l'argent. Je suis à zéro stabilité, j'ai pas envie d'en perdre. Ok, donc on va lutter. On a de l'argent, hein, donc on va lutter contre la corruption. Paf. Jusqu'à la faire descendre. Et puis après, on calmera les choses. Enfin, les choses vont se calmer d'elles-mêmes, en fait. Ok, voyons où on en est au niveau de cette élection. Donc, le Brandebourg. Ça tend à baisser même. Et Mayence qui augmente. Pour l'instant, ça va, on s'en sort. Ok. Ligue commerciale de Novgorod est dissoute. Donc, on a toujours un 1 au-dessus. Donc, on va honnêtement. Bon, j'allais dire, on va consolider, mais ça sert pas à grand-chose. On va shift consolider. Et puis, celui-là, on va s'en séparer comme ça. On est tranquille. On peut d'ailleurs arrêter de maintenir, de payer nos troupes. Et ben, tout va bien. On regarde, je vais juste regarder encore qui sont nos autres rivaux. On a Ansbach. Alsace et la Bavière. Donc Ansbach et la Bavière sont alliés. Donc on peut pas attaquer l'un sans attaquer l'autre. Donc ce serait intéressant, hein, de nouveau de refaire le même coup, hein, de reprendre encore des points de puissance de dirigeant. Mais on va, pour le moment, on va se tenir écarté de ça. Et puis, continuer à améliorer un peu nos relations. C'est vraiment ce qui est important pour le moment, pour nous. C'est de devenir empereur. Honnêtement, il y a vraiment moyen de le devenir tout de suite, de nouveau. Donc, tant mieux. C'est très bien. Et puis, on va... Donc, on est en mode un peu attente. On voit qu'on a des successions. Donc là, la Bohème, hein, pas de successeur. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt ? Le roi électeur. Alors, à la mort du souverain, un membre de la maison von Wettin. Von Wettin, c'est qui? C'est les Saxes, hein. C'est les gens de Saxe. Donc, ce serait un membre de la maison de Saxe. Comment ça se fait? Ah, je pense qu'ils sont. Ils ont un mariage consort ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas excessivement important, de toute façon, pour le moment. On voit qu'on a de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire un. Comment ça s'appelle déjà ce bâtiment? Un marché, pour moi simplement. Est-ce que ça vaut la peine? 1.5. Point... Palatina, hein, c'est ça, qui actuellement est à 3.6. Actuellement on a 40, donc 1.5, ça va même pas nous. Non, on va pas. On va pas s'occuper de ça pour le moment, on va conserver un peu notre argent, peut-être prendre d'autres conseillers pendant qu'on peut. Un qui va baisser l'agitation. Et même un militaire, tiens, pendant un petit moment. Modification de limite force terrestre qui sera un peu moins cher. Donc on va perdre de l'argent pendant un moment, mais c'est pas dramatique. Donc vu qu'on a un théologien, on peut prendre cette décision, hein, qui fait que ça augmente l'agitation dans le pays, mais on gagne de la puissance des missionnaires. Donc on exclut, vu qu'on n'a aucune raison de. On va annuler notre mission de prestige, ça sert à rien pour le moment. On n'a aucune province à convertir, hein, donc ça servirait vraiment à que dalle. Donc voilà, la Renaissance, ça change tout, effectivement. C'est pas top. Renaissance, où est-ce qu'elle a pop, celle-là? La pop à Palerme, oulala, c'est au bout du monde ça. J'aime pas trop ça.
J'aime pas trop ça. Donc il va falloir attendre un moment. Donc soit on utilise plein de points pour développer nos provinces. Par exemple, notre capitale Heidelberg, qui pourrait être. Donc on pourrait augmenter les points. Donc ça augmenterait de 1,83 notre soutien à la Renaissance. Ouais, c'est pas top. Ou Palatina, qui coûte beaucoup plus cher. Donc effectivement, hein, ce serait soit cette province-là, Württemberg, mais qui a 100% d'autonomie, soit cette province-là. Je pense qu'on va juste attendre, en fait. On va la voir, ça sert pas à grand-chose. On pourra peut-être faire deux ou trois clics à terme pour la faire aller un peu plus vite. Actuellement, je sais pas si on la gagne quelque part. Ouais, on gagne plus 0,05 ici et plus 0,07 ici. C'est pas top, mais. Mais c'est déjà quelque chose. Et puis après, hein, il suffit que la Suisse l'adopte. Et puis, ça ira un peu plus vite. Ok, donc on a bien amélioré nos relations avec ceux-là. Est-ce qu'on essaye quand même d'améliorer nos relations avec Trèves? Maintenant que c'est presque safe au Brandebourg, on peut faire ça éventuellement. Donc on te laisse revenir là et puis augmenter nos relations avec Trèves. Donc on est à moins 37. Hein, pourquoi ils ont aussi. Ah, ils veulent le Palatinat, quoi. Ouais, ben non, en fait. J'ai pas envie de vous donner le Palatinat, les gars. On a une trêve, j'imagine, de 15 ans avec l'Alsace, hein, donc avant de pouvoir les manger, on a un moment. Avec Ravensbourg, même chose. Il reste la Suisse en dessous, au sud. Ou d'accord, alors non. Mayence, qui est notre allié au nord, non, ça va pas le faire. Ansbach, qui est notre rival et qui est allié à notre autre rival. C'est possible. C'est possible, surtout si on peut faire appel à quelques-uns de nos alliés. Épopée nationale, donc on va perdre de l'argent et des points de mine. Mais gagner un de prestige annuel. Ouais, alors oui, allons-y. Et je vois qu'on est passé en dessous des 50 de démonstration de force. Donc on va faire. Bon, on va attendre la fin du mois de juin. Puis on va refaire revenir notre diplomate de Trèves. Et on va aller insulter un de nos rivaux. La Bavière, par exemple. Voilà, ce qui augmente notre démonstration de force à 54. Et qui nous refait passer au-dessus de la limite pour avoir un point admin de plus. Hein. Donc à 50 de démonstration de force, on gagne un point de chaque puissance de dirigeant. Et puis à 25, on gagne la possibilité d'avoir un commandant de plus sans frais. Ce qui est pas. Au début, on s'en moque un peu. Mais par contre, les points de dirigeants sont vraiment, vraiment excessivement importants. Et donc, comme je disais, on va essayer de faire voter Trèves pour nous, moi qui sont déjà plus qu'à moins 40, hein, ça se rapproche, ça doit être faisable. On a une province légitime, cool. Et on a des ordres qui veulent plus, les nobles veulent plus. Donc on a amélioré nos relations avec Mayence au maximum. Ok, on va aller améliorer maintenant à. Est-ce qu'on va améliorer ailleurs? Ou est-ce qu'on fait quand même une revendication chez Trèves? On va pas faire une revendication à Trèves maintenant. On va effectivement améliorer à Cologne. Histoire d'être sûr d'avoir notre vote ici. Non, mais en fait, on va consolider avec le Brandebourg plutôt. Brandebourg qui est limite. On a encore 12 points qu'on peut aller chercher. Alors, allons les chercher. Ici, on a les nobles qui voudraient plus de territoire. Ok. Alors, je viens de finir de. Non, pas celle-là, de légitimer Brisgau, mais que j'ai déjà donné au clerc. Donc, je vais attendre de légitimer celle-là, là. Ça va pas tarder. Et je vais la donner aux nobles. Mais si c'est pas idéal hein, pour donner aux nobles, je préférerais les donner au clerc également. Ou même. Non, j'allais dire aux bourgeois, même. Et il faut, par contre, il faut en faire un état. Ok, allons-y. Et puis, effectivement, donner ça au noble. Voilà. Très bien. Mais ils ont pas assez. Ah, ils veulent 15, ok, d'accord. Alors, on va augmenter par un point ici. Augmenter ça. Et là, je pense que ça va jouer. Ils vont passer à 15%. Voilà, 16% même. Ok, nickel. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ces pourcents? Ici, je regarde. On peut faire une donation, recruter un ministre, on s'en moque.
Ici, on pourrait demander un soutien militaire, on va pas faire grand chose. Donc si on perd 5 de prestige, ils vont gagner 10 d'influence, c'est bien. Avec ces 10 d'influence, on peut leur demander un ministre, qui va leur donner 15 d'influence. Ils sont à 59. Si je demande un titre de général, ils vont passer à 79. Donc c'est extrêmement ballsy, hein, parce que ce qui se passe généralement dans ces cas-là, c'est que ben y a un event random qui arrive et vous pouvez être sûr qu'on est en désastre. Mais on va le tenter. On va le tenter parce que la tech militaire est vraiment importante. Donc on va le tenter. On va prendre un général, on est donc là à 79. On va demander les 150 points militaires. On pourrait même lui demander des troupes, mais je pense que c'est pas nécessaire. Et on va prendre la tech. Et voir ce qu'il en est. Où est-ce qu'on en est au niveau tech? Par exemple, si je veux attaquer Hansbar, c'est en 3. La Bavière en a 3. Okay. On va finir d'améliorer nos relations avec le Brandebourg et après je vais voir ce qui se passe si je décide de déclarer la guerre à Hansbar. Est-ce que je peux faire venir du monde? Alors là, on a gagné 2 de façon mythique. Très bien. Est-ce que je peux faire venir du monde si je décide d'attaquer Hansbar? Bah ça m'arrangerait bien de manger Hansbar, je dois dire. En plus, ça augmenterait notre démonstration de force. Mission. Alors, recouvrez nos réserves militaires. Ok. Merci. Ou approcher la rivale de nos rivaux. Opinion de la Saxe. Ouais, on va faire ça. La Saxe est un électeur, hein, je rappelle. Donc là, on a comme rival Nuremberg. Ça m'intéresse pas d'avoir comme rival Nuremberg, honnêtement. Parce que Nuremberg étant une ville libre, vraiment ça m'intéresse pas. La Suisse pourrait être une idée. Ils sont alliés avec la France, qui est un peu embêtant. Mais ça pourrait être une idée. Un rival intéressant, un rival qu'on pourrait humilier le cas échéant, qu'on peut attaquer. Alors on peut pas du tout attaquer Nuremberg. Trèves, son nom c'est un électeur, c'est exclu. La Saxe, en plus on vient de prendre une mission pour. Ravensburg, c'est intéressant. Le problème de Ravensburg, c'est qu'on peut rien en faire pour le moment. Et Würzburg, ce sera assez intéressant, parce que Würzburg... Bon, ils sont actuellement alliés à Nuremberg, c'est pas un problème. Würzburg, ils sont sur le chemin. Donc si on prend Hansbar, il faudra après soit prendre une partie de Würzburg, soit aller en Bavière, pour pouvoir accéder en fait au Haut Palatinat. Donc, Würzburg peut être une bonne idée, hein, quelqu'un qu'on pourrait attaquer. Ou Ravensburg, qui a maintenant aussi une alliance avec la Bavière, qui nous déteste, mais qui n'est toujours pas une cité libre. Hein, vu que, a priori, l'empereur a ses 8 cités libres. Ouais. Donc, on pourrait rivaliser Ravensburg. Mais ça veut dire qu'on peut rien faire sur deux de nos rivaux pendant les 15 prochaines années. Donc, mettons, on va pas rivaliser la Suisse, parce que non, mais on va rivaliser Würzburg. Et quand j'aurai fini donc d'augmenter mes relations avec le Brandebourg, on va voir exactement ce qui se passe avec Hansbar. Et puis si on attaque Hansbar, et puis on va également poser. Voilà, donc on a Trève vote de nouveau pour nous. On va poser des revendications, pas des revendications, nos embargos, pardon, imposer nos embargos à notre nouveau rival, Würzburg. Donc là, on a gagné la démonstration de force parce qu'on a éclipsé Hansbar, hein, donc on est devenu trop fort pour eux, en fait. Hein. Ce qui est une très bonne chose. On va déjà regarder au niveau de la force limite ce qu'il en est entre Hansbar et la Bavière. Hansbar a 6K, la Bavière a 11K, donc la Bavière a la même force limite que nous, hein. Enfin un peu plus de force limite. Mais a le même nombre de troupes que nous. Alors, premièrement, envoyons un embargo à Würzburg. Voilà, on gagne un point de démonstration de force. Ensuite, si j'attaque Hansbar, parce que je suis tout seul, hein, je peux faire venir Mayence contre une promesse de terre. Il est évident qu'une promesse de terre à Mayence serait du bluff. Hein. Je ne vais pas leur donner la terre que je cherche à acquérir.
Le problème qui se poserait donc, c'est que mes relations avec Mayence seraient. Il casserait probablement l'alliance et nos relations seraient donc péjorées. Et donc, du coup, je perdrais probablement un électeur. Et ça, c'est pas une bonne chose. Surtout pas sur le premier vote. On en discutera après. Ensuite, les autres. Donc, Cologne ne nous doit pas du faveur. L'Autriche, c'est l'empereur. Brandebourg ne nous doit pas du faveur. Et la Bohème ne nous doit pas du faveur. Donc, c'est tout. Hein. Si on attend que Cologne nous doive du faveur. Parce qu'il va quand même être un moment. Hein. 3 ans, quoi. En gros. La Bohème nous doit du faveur. Ce qui va être encore plus long. C'est tous les 2 ans qu'on fait des faveurs avec eux. Ou le Brandebourg. Ouais. Le Brandebourg, c'est tous les ans. Mais l'alliance est moins. Et plus récente. Ou alors, je tente le coup quand même. En partant du principe que j'ai une tech d'avance sur ces gars-là. Ouais, c'est toujours le cas. J'ai un très mauvais général. J'en ai fait un deuxième. Donc, il est passablement meilleur quand même. Qui est un bon général, du coup. J'aurais préféré, hein, bon, je vais je vais faire un peu l'enfant gâté. Hein. J'aurais préféré un 2-4 qu'un 4-2, mais 4-2-2-2 à ce moment-là du jeu, c'est extrêmement bon. Extrêmement bon. Donc ça, c'est très très bien. Donc on a un très très bon général. Hanspar, ok, c'est des plaines. A priori, hein, on va contrôler avec une map plus simple, mais a priori c'est entouré de rivières. Alors moi je crois qu'on vient de Nuremberg, mais on va pas venir de Nuremberg. Peut-être depuis Ulm. Une bonne question, depuis Ulm. Parce que. Non, hein. Il n'y a pas de rivière depuis Ulm. Maintenant on a deux de manœuvres. Le problème, c'est que si les Bavarois sont là, et puis arrivent directement là-dessus, on va se retrouver à 11k contre 17k. Donc, même si on a un meilleur général, même si on n'a pas de malus du terrain, bon, on va rester là sur cet épisode. On réfléchira à ça au prochain. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine.